Allez, ben on est encore là finalement, du coup on est trois à avoir signé pour Durham. On va se refaire une vingtaine de bornes sur le papier, je sais pas, 400 mètres de dénivelé de plus. On verra si c'est juste ou pas. Bon, pour digérer, on va se faire un petit peu secouer en descente, là, ça attaque bien. Oh putain, il y a déjà de la boue. Aïe aïe aïe. Oh, ça commence bien. Hors parcours, pourquoi? Ouais, bon, c'est pas grave. Est-ce que ça passe? Oh, petit. Ah, là, ça va pas passer. Ah. Ah. Si, ça passe. Allez, sarté d'Alouille. On a récupéré Fred, donc du coup on est 4. Lui, il était monté tout en haut, donc il a mis un peu plus de temps à arriver. Changement de décor, là, c'est bien sympa. Pour l'instant, c'est bucolique, ça monte pas trop. Ça tombe bien, mais je crois que j'ai parlé un peu vite. Cadeau, petit panorama encore une fois, un régal. Pour l'instant ça monte, ça descend tranquillement, tout le monde va bien, on suit le parcours, ça devrait le faire jusqu'au camping. Oui, là ça va descendre un petit peu, ça va être bon. C'est lequel qu'on prend? Ah, tu vois, on aurait dû monter plus haut, tout droit là, tout droit. Ouais, on fait un petit peu du jardinage. Que le parcours qu'il y a, ben, il n'existait plus, donc on a réussi à trouver autre chose et ça reste bien sympa. J'ai pas pu. À droite. Là, on devrait être sur la trace. Tu vois, il n'y a plus de trace. C'est ça qui est fou quand même. Là, faut qu'on descende. Là, faut qu'on coupe. Là. Dans la descente. Faut regarder le GPS au descendre, là c'est un peu la misère, mais bon. On va arriver à se retrouver, je pense. Je pense qu'il y a eu un petit bug de tracé et qu'à la base on aurait dû être sur celle-là. Et elle est géniale en plus. Ouais, on est bon. On est bon. Allez, petit pont en bois. Et on est retrouvé. Allez, on est toujours dans des petits singles là. C'est un régal. Non mais ça y va, ça y va. Ça y va ? Ouais, ouais, ça y va. Ça y va. Ça y va. Ils me font pas confiance. Oui. Un petit peu. GPS, il a encore perdu la route, mais. Il y a toujours la trace, donc on est bon. On galère un petit peu là parce que je sais pas pourquoi, mais les GPS ils ont pas envie là. Oh, la descente elle est sympa là.
Allez, ça descend lui encore. On en profite. Ça descend, ça pédale un peu. Allez, bim, là, on s'est fait punir. Ouh, il y a une montée qui pique. Hein. Mais bon, il en faut. Hein. Il n'y a pas le choix. Ça descend encore. Dans l'île. Mange la terre. Oh, il me casse les couilles, il perd tout le temps le parcours là maintenant. Oh, les descentes, elles sont vraiment au top les amis. Bon, un peu nordiste quand même les descentes. Ah, voilà, là on commence à rentrer comme à la maison. Dans le vif du sujet. Et là ça devient bon là. Apparemment. On doit être dessus. Attends. Ça doit être ça. Ouais, si on repart à gauche, c'est ça. On doit être bon là. Oh, qu'elle était bonne. Elle était comment, Pipi? Elle était géniale, celle-là. Je crois que c'était la meilleure qu'on ait faite depuis le départ. Là. J'ai bien aimé. Franchement, je me suis régalé. On est sur le parcours que demande le peuple. C'est beau, c'est magnifique, c'est magique. On se régale. Ça pédale encore, toujours dans du single. C'est magnifique. Toujours derrière les copains. Ah, ça va. Jusque là, ça va. Voilà, pour l'instant, on s'est pas perdu. Même si ça doute derrière, on s'est pas perdu. On est parti, là, c'est Koh-Lanta, là. Ça a été raviné. Entre le GPS qui n'a pas envie, les chemins qui ont été ravinés, ça fait 15 fois qu'on traverse la rivière. Si il nous fait suivre la rivière, on revient au point de départ. Hein. Je te l'ai dit. Hein. Non, il faut traverser, en fait. Enfin, c'est bordel, quoi. Ah, ouais. C'est reparti pour de la montée. Oh,
deuxième petite partie. Elle est bien rigolote hein, en tout cas. Ah non. C'est cadeau, Fred qui pousse le vélo. Je pense qu'on l'a pas vu souvent. C'est que ça monte. Ouh. Allez, ça monte toujours. C'est du costaud là. C'est de la montagne quoi. Voici, c'est moi qui pousse et Fred qui est sur le vent. Ouh. Ça mérite ça là. Elle se mérite. Ah, ça redescend un petit peu là. Pas beaucoup, mais on prend quand même, hein. C'est joli. Oh, cette montée, à la fin, une tuerie. Une boucherie, j'ai envie de dire. C'est un mur. Bon, je pense que ça va remonter encore un peu là, parce qu'on n'est pas tout en haut. Mais là, c'est super joli. Et ouais, ça se paye. Oh merde, c'est bon. Allez à pied. C'est reparti en montée, vous avez vu comme je suis à l'aise sur le vélo et tout. Il y a quand même de la méliorisation. C'est top là. Ouf. Ça sera sorti marche là cet après-midi. Allez, faut pas déconner, ça pédale quand même un petit peu sur le vélo. Hein. De temps à autre, hein, histoire de. Histoire de. Je sais plus. Oh, il y a du vent en plus. Ah, ça rase. Bon, ça monte toujours, hein, je sais pas vous, moi. J'aurais bien envie d'une petite descente quand même. Hein. Et une belle, hein, parce que là, avec ce qu'on a morflé, une qui est du flot. Toujours pas de descente, mais. Encore un beau panorama. Est-ce que je vous ai dit que ça montait encore? Je sais pas. Ça monte tout le temps. Fait que monter, commenter, commenter, mais on n'a pas encore touché les nuages. C'est un mauvais signe. Oh là là. Je l'avais annoncé qu'il y aurait plus de panorama qu'autre chose. C'est le cas. Et David Doumé. Alors David, c'est pas top de monter à pied? C'est le top. Ah bon, ça va. Là, j'ai les chaussures qui accrochent mal. Bon. Et enfin, de la descente. Enfin, putain, elle est méritée celle-là. Franchement, celle-là, on y a droit. Je sais pas si ça va descendre longtemps, mais. Oh. Franchement, c'est quand même un beau parcours. Et je sais pas ce que j'ai, si c'est l'euphorie d'être avec les copains en trip ou quoi, mais franchement, en plus physiquement, ça va. Alors c'est d'autant plus appréciable. Pour l'instant, on est sur le parcours, toujours. Je fais tout, je descends, je regarde la GPS. Alors là, par là. Parti pour un petit peu de pédalage. Belle petite descente, c'est bien régalé. Ça fait du bien, ça a été pris. Ah oui, regarde, ils sont là. Petit village sur le côté. C'est toujours super beau. J'ai dû le dire 150 000 fois, mais c'est vrai, c'est un régal. Allez, on est reparti pour normalement la dernière ascension, si le GPS ne se trompe pas. On devrait se prendre
à peu près 4 km de montée pour 300-400 mètres de D+. Là on est à 50 km pour 1200 mètres de dénivelé. Ça va toujours et c'est super beau. Regardez les amis, ça donne envie de se dépasser tout ça. Notre-Dame des Mets en face. Allez, Philippe, ça doit être Philippe, non? Ça, ouais. Ils ont dit on attend Philippe, ah, alors ouais, okay. Super. Ils sont là-haut, ils vous attendent. Allez, comme on n'a pas eu assez d'emmerde par le tracé, là on a vu un bon petit single, on se le prend, normalement ça devrait gazer. Ça devrait gazer, vas-y Fred. On retrouvera, t'inquiète. Il a l'air sympa. J'ai regardé sur GPS, théoriquement, de toute façon, on devrait récupérer la trace plus bas. Oh, oh. Ah ! Putain, c'est deux verres quand je n'ai pas rien sur le côté, là. Putain, c'est plus fort que moi. Non. Oh là là. Ah ouais, ça aurait été contre le prendre, celui-là. Ça aurait été vraiment con de pas le prendre, celui-là. Où ça? Ah, c'est le club de Chambéry. Chambéry? Ah, vous n'êtes pas tout près non plus. Allez, bonne rando! Non, plus loin, nous. On est presque arrivé, regardez comme c'est beau encore! Ah là 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 là! Il y a plus de panorama que de descente sur cette vidéo. Eh, regardez le panorama de Philippe. Regardez comme il est beau! Il a la banane! Allez, c'est parti, DH Urban. Moi aussi, je sais le faire, ça. On se ramasse ça, merde. Voilà, merde. Moi aussi, je sais le faire. J'ai perdu les copains. Voilà, par le coup, j'ai perdu les copains. Je suis tout seul. Non, mais je me suis loupé. J'allais prendre ou à gauche ou à droite. J'ai pris à droite, c'était à gauche. Demi-tour. Et puis, ben voilà. Ça fait un petit pas en plus, c'est pas grave. Allez, le pont de Vollone qui annonce l'arrivée très proche. On s'est retrouvé impeccable. Les copains, ils m'ont abandonné. Ah, ils m'ont perdu corps et âme. Ça, c'est parce que j'ai ramené plein de cochonneries. Et mes nerfs, des machins, comme je bouffe tout, ils ont préféré m'abandonner dans la cambrousse pour pouvoir en manger. Je suis sûr. Enfin bref, je vous reprends sur celle-là. Du coup, ben, on aura fait une petite sortie quand même, hein, 60, 61 km pour 1350 mètres de dénivelé. 8h. On a commencé le VTT à 9h, on a fait une pause à peu près de 2h pour manger parce qu'on a attendu un copain. Je trouve que c'est raisonnable, je suis fier de moi en tout cas, parce que c'était pas gagné. Franchement, j'ai pas mal aux jambes, j'ai le dos qui est en compote, je suis fatigué. Ça va, faudrait faire encore quelques kilomètres, je pourrais les faire. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Bon, ben voilà, je sais pas comment je vais arriver à faire le montage de la vidéo de cette journée. Il y en aura peut-être deux. Je sais pas encore. Il y a tellement eu de panoramas à vous montrer, tout ça, que c'était vraiment top. Enfin, en tout cas, pour moi, j'espère arriver à vous le faire partager dans cette vidéo. Allez, je vous dis à plus et ciao tout le monde.